3 points d'écart entre Valenciennes 8e et Sochaux 11e. Il y a donc une très bonne opération à faire pour les deux équipes en cas de victoire. Sochaux peut revenir à égalité de points avec Valenciennes alors que les nordistes peuvent mettre 6 points d'écart avec leur adversaire du jour en cas de succès. Les Sochaliens sont très inspirés, très motivés dès les premières minutes. Ça fait 1-0 après 10 minutes seulement grâce à Sofiane Diop et son premier but. Bien servi par Abdoulaye Sané. Il réussit à marquer ce but important. Les visiteurs sont parfaitement lancés. Et ils n'en ont pas terminé avec leurs efforts offensifs. Car dès la remise en jeu de Valenciennes, perte de balle des nordistes et nouvelle attaque sochalienne. Abdoulaye Sané, passeur sur le premier but et buteur. À la 11e minute, soit une minute après le but de Diop, Sané marque. C'est son 10e but de la saison. Sochaux mène 2-0 sur le terrain de Valenciennes. Les Valenciennois ont réalisé une première période très compliquée et même complètement ratée. Aucune occasion à signaler et 2-0 pour Sochaux à la pause. Mais en seconde période, le visage de Valenciennes est très différent. Une équipe bien plus inspirée, bien plus offensive. Possibilité ici avec un très joli centre en retrait de Malek Chergui, entré sur le terrain en cours de match pour trouver Noah Diliberto et son premier but en Dominos Ligue 2, 69e minute. Réduction de l'écart à 2-1 et dans la minute qui suit, Valenciennes a retrouvé véritablement des couleurs avec un ballon dévié qui termine dedans. Kevin Cabral à la 70e pour le 2 partout, c'est son premier but également. Ça fait 2 partout. Si Sochaux a marqué ses deux buts en une minute, c'est également le cas de Valenciennes. Le match devient un petit peu fou. Sochaux essaye de tenir son point du nul. Et Valenciennes n'en a pas terminé à 10 minutes de la fin. Superbe geste de Malek Chergui. Déjà auteur d'une passe décisive ici. Il marque son 2e but de la saison. Le pied gauche de l'ancien grenoblois est efficace. Malek Chergui réussit à lober Maxence Prévost. Ça fait 3-2 pour Valenciennes qui a réussi à renverser le score. Match spectaculaire entre ces deux équipes. Et victoire de Valenciennes, 3-2 contre Sochaux.